Le 1er octobre, le grand-duc Georges de Russie et Rebecca Romanovna Beterini se sont mariés dans la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg. Plusieurs milliers d'invités se sont réunis pour assister à l'union du couple impérial. Mais qui est l'heureux élu? Il s'agit du premier mariage impérial en Russie depuis plus de 100 ans. Alors, cette cérémonie était un événement très attendu de tous. À l'occasion de l'union entre le grand-duc Georges de Russie et Rebecca Romanovna Beterini, la ville de Saint-Pétersbourg a pris des allures de fête dès le 1er octobre et, ce jusqu'au dimanche 3 octobre. Les festivités où plus de 1000 convives sont invités vont durer 3 jours. Un mariage digne des contes de fées. Mais qui est Rebecca Romanovna Beterini? Celle a épousé l'héritier du tsar? Fille du diplomate italien Roberto Beterini, elle s'est convertie à l'orthodoxie et a été rebaptisée Victoria Romanovna en juillet 2020 à la cathédrale Paul et Pierre. Le grand-duc Georges de Russie et Rebecca Romanovna Beterini se sont rencontrés lors d'une soirée à l'ambassade de France à Bruxelles. Le couple a ensuite décidé de venir habiter en Russie, il y a 3 ans. Puis, après une demande en fiançailles, l'heureux élu a épousé civilement le grand-duc Georges, âgé de 40 ans, à Moscou, le 24 septembre. Suite à cette union, la mariée a reçu le titre de princesse Romanov par sa belle-mère, un titre qui s'accompagne du prédicat d'Altesse Sérénissime. Dans la continuité, le couple impérial a scellé son amour lors de leur mariage religieux, à la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, ce 1er octobre. Vive les mariés Rebecca Romanovna Beterinis, une magnifique mariée en plus d'une cérémonie grandiose avec des reliques dorées, chandeliers ornés de bougies scintillantes et le tapis rouge, la mariée a vu les choses en grand. Et pour cause, un mariage de ce type n'arrive jamais deux fois dans une vie. Alors Rebecca Romanovna Beterinis a fait appel à la créatrice libanaise Rima Kra pour la confection de sa robe de mariée. L'heureuse élue a revêtu une robe en micado de soie italienne, un classique des robes de mariées italiennes des années 60 avec une traîne de 6 mètres. Il s'agit là d'un clin d'œil aux origines italiennes de la mariée. Et pour couronner le tout, Elina Samarina a brodé des éléments symboliques et culturels en broderie faisant référence à l'histoire de la famille impériale. Une façon pour Rebecca Romanovna Beterinis de rendre hommage à son nouveau pays d'adoption. Itartas, autour de Gotha Famille Royale Mariage Amoureux.